Amis du signe de la balance, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance sentimentale de janvier 2022. Vous aviez tiré lors de la guidance générale, en fin de guidance générale, pour votre guidance sentimentale de ce jour, le pardon. Donc cette très jolie carte du 61, du 6 et un 7, vous savez que j'aime à redire que le 7 est quelque part un chiffre magique en numérologie et dans ce tarot-là aussi, puisqu'il est... l'alchimie des sept éléments chimiques qui transforment le plomb en or. Donc, et le pardon, effectivement, ça fait partie des sentiments les plus nobles et les plus forts, hein, qui conduisent souvent à une transformation majeure de la vie. Donc, on va bien sûr demander à Gaïa de donner le tempo de cette guidance. Gaïa, balance sentimentale, janvier 2022, s'il te plaît. Énergie centrale, énergie associée et accompagnatrice de fin de mois. Vous avez vous aussi, parce que c'est le cas de beaucoup, sur ce début d'année, l'équilibre émotionnel, intellectuel, donc retour à l'équilibre visiblement pour bientôt. En énergie centrale, arcane majeur du choix. Ah, elle est superbe, cette arcane, elle est puissante en tout cas, elle n'est pas forcément très jolie. Vous avez le choix entre quoi et quoi. Vous avez le choix de continuer à pleurer ici, ou vous pouvez retrouver et tourner le dos et contourner l'arbre, donc contourner le phénomène qui vous bloque, hein, on voit ici un serpent, etc. Et contourner pour aller vers la lumière. On voit ici au niveau des objets. Hein, Maya, s'il te plaît, pardon. On voit au niveau des objets ici hein, quelque chose qui tombe, comme un lâcher-prise de. Voilà. Donc vous avez le côté avec les ailes de l'ange lumineux et vous avez le côté obscur du serpent. Donc à vous de faire ce choix. C'est un choix fondamental et primordial. Tourner, quand je vous ai dit, cette carte est signe de transformation majeure. Le pardon fait partie de ça. Vous avez en énergie complémentaire associée, vous avez cette très jolie carte du 4. Alors pourquoi je la trouve jolie? Parce qu'elle est... Elle est très expressive, hein, c'est-à-dire que vous poussez les murs, vous poussez quelque part ce qui vous enferme pour faire rentrer la lumière. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est quelque chose de très ensoleillé avec des étoiles. C'est-à-dire, c'est comme si vous faisiez une ouverture dans votre prison, c'est comme si vous vouliez partir de vos murailles. On est super synchro, je recommence à avoir la chair de poule pour vous, les balances, ça continue. Et vous avez ensuite cette très jolie 8 en énergie de fin de période, fin de mois. Vous savez qu'on est obligé de temporiser, mais rappelez-vous que les énergies sont fluides, donc ça peut être pour certains 2 jours, pour d'autres 60 jours. Soyez attentifs à ça. Et vous voyez que le personnage, je vous rappelle, c'est pas sexué, il accueille quelque chose de beau. Regardez, il a les mains grandes ouvertes, il accueille quelque chose de très beau. Je ne sais pas si vous voyez, vous avez un alignement parfait, un grand sourire, un œil, donc une pleine conscience des choses et une auréole de lumière. Et donc on est voilà, super synchro avec ces 4 cartes. Faudrait presque s'arrêter là. C'est une transformation majeure pour vous. Ami Balance. Sur le plan affectif et sentimental. Donc, on peut parler de couples qui renaissent un petit peu de leurs cendres, peut-être un nouveau départ dans un couple, et pour les célibataires, une nouvelle aventure affective et sentimentale. L'affectif, c'est pas uniquement l'amour, c'est aussi les sentiments... émotionnel qui l'accompagne, donc ça peut être des émotions au niveau de la famille, au niveau des relations sociales,
Il peut y avoir multiples situations, me dit-on. C'est un tirage très fort, hein. Je pense que vous le ressentez. C'est encore super puissant là. C'est assez fluide. C'est assez fluide. Vous avez en dos de deck l'arcane majeur numéro 8 de la force. Et dans ce tarot-là, qui est vraiment particulier, hein, j'aime à le répéter, on voit très bien que c'est un peu peine perdue. Vous êtes seul à vouloir déplacer une sculpture. Enfin, c'est un peu Samson contre Goliath. Les forces sont inégales. Et peut-être lâcher un peu prise ferait du bien. 8 de coupe. Dans ce tarot, ça veut dire que vous êtes parfaitement bien entouré. Il y a un entourage propice aux relations sociales, aux relations affectives, aux relations amicales, aux relations d'amour. C'est une carte qui montre que l'entourage est là, que l'entourage est bienveillant, que vous avez autour de vous, en tout cas, peut-être que ne le voyez-vous pas, mais il y a autour de vous de la bienveillance et quelque part de l'amour. On est encore sur l'arcane majeur zéro. Il y a un point d'orgue, on est sur le zéro, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore démarré le changement, vous n'avez pas encore fait un pas en avant, vous êtes encore sur la situation du choix, zéro, zéro. Vous êtes de toute façon à la fin d'un cycle, c'est terminé. Mais avant de faire un pas en avant, comme ce fou-là, eh ben, il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre, il y a peut-être des actions à mener. Et c'est un sacré jeu, hein. C'est chez vous depuis 2-3 guidances, j'en prends plein les mirettes, et au niveau affectif et au niveau émotionnel. Le monde, la carte majeure, l'arcane majeur du monde, donc il confirme bien qu'il y a quelque chose qui se termine. Et il va y avoir un besoin de mise en place de quelque chose. Balance. Alors, pardonnez, hein, ici, pour revenir, et par rapport à ce qu'on me dit, là, au niveau des guides, pardonnez à vous-même, peut-être, hein, pour pouvoir avancer. Bien sûr, pardonnez aux autres, mais c'est la tendance de l'énergie qu'on me susurre à l'oreille, c'est plutôt de vous pardonner à vous-même pour pouvoir avancer sur une nouvelle voie, sur un nouveau chemin. Accepter ce qui est. Accepter la séparation du passé ou peut-être accepter oui accepter un changement c'est l'acceptation oui peut-être pardonner à vous-même le fait d'avoir pris trop de temps à faire ce choix le fait d'avoir pris trop de temps à ouvrir les murs et le fait d'avoir pris trop de temps à accepter de faire un nouveau choix, un nouveau pas en avant. Voyez, je suis en train de vous expliquer. Voilà, on est très connectés, les guides sont là, c'est incroyable. Je n'avais pas vu la carte, je vous la tire devant vous. Alors ça s'appelle la carte de l'empêchement, mais c'est clairement la carte du pendu. Il y a eu beaucoup d'immobilisme, beaucoup d'attente, et je le ressens, c'est très fort, c'est très puissant. Et je pense que ce pardon, il est là, il est vraiment vis-à-vis de vous-même, d'accepter de passer à autre chose. Ah là là.
C'est incroyable, vos guidances depuis quelques temps. Elles sont connectées, 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 plus, plus. Je sors deux fois la carte du pardon. Ce sont le pardon, c'est un moyen de lâcher prise. C'est un moyen de regarder devant et de ne pas regarder derrière. C'est un moyen d'avancer. Vous savez que mes guidances n'ont nul besoin de vous dire ce qui ne va pas. Vous savez ce qui ne va pas. Mais c'est justement de vous dire qu'il faut surfer sur les énergies positives. Et là, il y a une énergie de pardon qui est une sublime énergie. L'énergie du pardon, s'il y en a une qui est importante, c'est celle-ci. Parce que c'est celle qui permet de voir devant et d'avancer. Mais il y a encore de la rébellion, il y a encore, vous avez encore envie de combattre quelque chose. Non, on vous dit lâcher prise, ça n'en sera que meilleur. Il faut lâcher prise, il faut. Vous avez une très très jolie carte ici. Très jolie carte de fin de période. Lâcher prise, il y a quelque chose de très joli qui arrive. Mais pour ça, il faut, Il y a une acceptation, il y a une résilience qui est fondamentale ici. Je vous le souhaite, ami Balance, parce que la résilience permet d'accueillir le reste. Facile à dire, me direz-vous, oui, mais pour autant, c'est quand même le message du jour pour vous. L'ermite, l'immobilisme, je pense que vous allez en sortir. Vous allez en sortir. Voilà, il y a une émotion, quelque chose de fort qui va vous aider, une vague énergétique du pardon qui va vous aider à sortir de votre grotte, à sortir d'une vie qui ne vous convient pas. C'est un changement qui va vous permettre d'évoluer vers une très jolie lumière affective et sentimentale. Une jolie lumière psychologique aussi. Cette carte, elle apporte pas uniquement l'équilibre, elle apporte l'harmonie et le bien-être. Mais il faut que vous l'acceptiez de l'accueillir. Il faut accepter d'accueillir les challenges des énergies. Ça saute. C'est mieux. Ça veut partir. Donc, on vous parle bien ici d'un nouveau départ. Elle a sauté, elle est puissante. On vous parle qu'il y a encore des efforts à faire et ces efforts à faire sont liés au pardon et je pense que c'est un pardon de vous-même. Et ça confirme que vous êtes à la croisée des chemins et qui dit croisée des chemins dit nouveau chemin, nouveau départ, nouvelle vie. Et elle promet vraiment beaucoup de lumière. C'est vraiment le message ici. Vous allez sortir de votre grotte. Voilà. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Mais pardonnez-vous. C'est vraiment à vous-même qu'il faut pardonner votre choix. Vous allez faire un choix et il faut que vous en soyez fier, ami Balance. Ben, j'espère que ça vous aura aidé. On se retrouve bien sûr très vite. Prenez soin de vous en ces temps difficiles. À très vite. Namasté.